Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une petite arène avec Loki. Loki, le perso que je joue quasiment jamais. On va voir. Normalement, si je finis cette game et qu'on la gagne, je vais peut-être le passer rang 1 ou je pourrais peut-être le faire en ligue, même si c'est un perso que je trouve un peu compliqué à jouer en ligue, car que pas un perso dominant en early. C'est vrai que si vous prenez des kills, vous pouvez faire la game à vous tout seul, mais ça demande que la game ne soit pas perdue en 10 minutes. Et ce qui arrive parfois, je sais pas, Loki, on l'essayera peut-être. On joue face à un Loki en face et un Aokon, donc deux persos qui ont des mécaniques d'invisibilité. On aura l'ultimate d'Artemis qui peut nous poser souci, l'ultimate de Nox, le silence de Nox, bref. Ici, que des cibles fragiles, ça par contre, ça fait plutôt plaisir, car c'est des persos qui implosent complètement en fin de partie en moins d'une seconde. Ennemi, je pense que Loki peut avoir tué quelqu'un sans avoir utilisé son ultimate, etc. Donc voilà, on va partir sur une itemisation classique. Je vais faire le tabic guerrier. Je sais pas si je vais faire le crève-cœur, car on a quand même une Shenji, un Janus, une Nyx qui vont dépush sans doute très rapidement. Le crève-cœur, il risque d'être pas forcément facile à stacker. On joue avec les abonnés, hein, vous les avez reconnus. Starm, ZelfZero, Ryusho et Pirlo. Voilà. Et il y a déjà un mec absent dans l'équipe adverse. Encore une game très intéressante, dis donc. En espérant qu'il se reconnecte. Là, j'aurais bien voulu avoir un petit coup de main. Parce que là, je vais prendre très cher. En fait, pourquoi je m'amuse à faire deux buffs parfois? Il faut savoir que quand j'avais fait une arène avec les Wooten Mama, il m'avait dit on fait toujours deux buffs en même temps. C'est juste que c'est les arènes à niveau moyen et débutant que vous faites pas de buffs en même temps. Mais eux, vu qu'eux, y a une sorte de MMR en normal, quand eux ils lancent une arène, généralement ils font deux buffs en même temps parce que c'est comme ça que font les bons joueurs, tout simplement. Que normalement on a largement le DPS pour le faire. Ça y est, leur cinquième joueur est revenu. On va pouvoir jouer de façon normale. On a up le decoy après. On l'a pris au niveau 4. Le decoy qui est pas forcément extraordinaire, hein, de Loki en arène. Mais ça, je le dis, je l'avais dit dans la dernière vidéo avec Loki. J'aime pas trop parce que ça vous force à push en fait quand vous posez des decoys très très tôt. Mais bon. On va up le troisième sort de Loki, ensuite le premier et on finira par le decoy. Et pour le moment, ça se regarde dans le blanc des yeux, ça ne fight très très peu. En même temps, en face, ils ont tellement une composition fragile qu'il va falloir y aller parce que c'est pas eux qui vont engager. Ils ont pas de gardien, ils ont pas de guerrier, ils ont pas du tout de frontline. Le Loki card engage. On a notre ulti aussi. Oh, quel ulti! Quel ulti extraordinaire je viens de réaliser! Une nouvelle fois, je me suis foiré. Il faut que je m'habitue. Moi, j'y arrive pas. Je le vois pas, le curseur, en fait. Oh, on va essayer d'aller prendre un kill. On a raté parce qu'on a tapé un minion. Je pense qu'on va commencer par une mort. Voilà! Voilà! Excellent Loki. Le meilleur Loki de la planète. Ça m'apprendra à dire que Loki est un perso simple à jouer. Oui, ça reste un perso simple à jouer. La seule difficulté, c'est la vision de jeu. Et voilà, non, il est bien en normal, mon Assassinate. Il n'était pas en smartcast comme la dernière fois. Je sais pas, j'y arrive pas. Je le vois pas, le curseur, en fait. Le curseur de l'ultimate, il est à peine plus gros que le curseur là qu'on voit juste au-dessus de la tête de Loki. Et donc, finalement, des fois, je me rends pas compte, en fait, que j'ai déjà appuyé sur le sort. Bref, c'était dégueulasse. Hein. Dégueulasse. On va essayer d'aller chercher un kill. Voilà. Quand même, on prend un kill, c'est si compliqué. Et derrière, on va dépush. Voilà. Alors, Loki n'est pas un perso early game. Il faut savoir que les pros ne jouent pas Loki en jungle, car Loki en jungle met trop de temps à rentrer dans la game. Quand on joue contre des gens qui savent jouer. Parce que bon, j'ai vu dernièrement un Loki dans mon équipe. Il a fait 0-5 et il a dit: ah ouais, Loki c'est pas fait pour jungle. Et puis à l'inverse, je suis déjà tombé contre un Loki dans l'équipe adverse qui a fait complètement la game parce que les gens ne savaient pas jouer avec Loki. Et qui restait avec 4 HP sur leur lane.
Donc Loki, qui n'a pas des masses de dégâts en début de partie, arrivait quand même à aller chercher des kills. Oh, on s'est fait ulti par l'ulti Kukulkan. On se fait slow. On va a priori mourir. Voilà. Donc ça commence bien. Vous voyez, hein, par exemple, j'ai ulti Loki. Je l'ai pas one shot. Hein. C'est Loki, ça demande 2-3 objets. Et après, vous allez commencer à pouvoir one shot. Mais au début, ça ne one shot pas. C'est pour ça que les pros jouent Loki en solo lane. Puisqu'en solo lane, et ils jouent Loki particulier. C'est un Loki particulier en solo lane. Puisque c'est un Loki qui up son 2. Un sort qui fait 0 dégâts sur les adversaires. Mais qui permet de faire les lignes de sbire très facilement. Avec ce 2, ils vont up leur decoy. Donc là, on va essayer de prendre un kill quand même. C'est pas nous qui le prenons, mais c'est pas grave. On va voir. Mais à mon avis, le Loki, je vais pas le rattraper là. À moins qu'il fasse un... une bifurcation. Il y a la Nox. On a la furtivité. Ouais. On va aller sur le Kukulkan. Et on rate magnifiquement le 3. Mais il faut pas y aller comme ça avec un Loki. Un Loki, c'est, ça demande de la subtilité. Il faut pas y aller en premier généralement. La meilleure de solution, c'est d'y aller en deuxième. Après que votre gardien ou votre guerrier y soit allé. Que les adversaires commencent à focus soit les caries, soit votre gardien parce qu'ils veulent se défendre. Et à ce moment-là, vous apparaissez. Faut pas y aller en premier avec Loki. C'est la meilleure des façons pour vous faire reboot en fait. Après, si votre but c'est justement de prendre le focus pour que le reste de votre équipe suive et fasse la game, c'est aussi envisageable. C'est une stratégie qu'on voit généralement avec d'autres assassins du type Kali, du type Unbat, Thor, qui peuvent eux hard engage pour justement prendre le focus. Au pire, on s'est pris l'ulti Nox. On met l'ulti, on essaye d'aller chercher un kill. On a pris cher. J'ai l'impression que j'ai la Nox au cul. Oui, c'est ça. Elle nous touche. Mais normalement, elle ne pourra pas nous tuer. Et on a fini la colère de Shotun qui nous permet de récupérer l'ultimate plus vite. D'avoir un petit peu de dégâts, de la mana. Enfin bref, tout ce qu'il faut. Le crève-cœur, ouais, je suis assez sceptique sur le crève-cœur en arène. Le crève-cœur en conquête, oui. Mais alors, le crève-cœur en arène, c'est compliqué. On prend un kill. On va essayer d'être un peu moins ridicule. Le kick est pris par Ryucho. Mais de toute façon, Loki, c'est pas mon style de jeu. Je suis un support de formation. Enfin, je suis un healer de MMO à la base. Quand j'ai commencé à jouer à des jeux online, j'étais soigneur. Donc soigneur, assassin, c'est pas tout à fait la même stratégie de base. Le soigneur, il reste derrière. Il essaye de se faire tout petit en faisant son boulot. L'assassin... il doit se faire tout petit, mais pour aller à l'opposé et aller chercher les kills sur les healers justement. Quand on jouait assassin sur Daog, bah, c'était ça le boulot, hein, c'était d'aller chercher les soigneurs ou les mages. Donc c'est pas tout à fait la même stratégie et donc c'est pas la même... quand vous avez joué très longtemps sur une position, vous avez du mal à alterner. Après, Loki demande une bonne vision de jeu, c'est-à-dire savoir quand y aller, savoir quand pas y aller. Ça, par contre, ça va. Pas trop mauvais pour ça, l'ultimate d'Artemis. Donc là faut pas y aller parce que il y a le sanglier, ça serait con de se faire stun. Faut attendre. Voilà, maintenant on peut y aller. Est-ce que le Loki va apparaître? On va aller sur l'Artemis. Ah bah on a apparu sur le Haokon, on lui a fait mal. On va devoir peut-être claquer l'ultimate en défensif, j'hésite. Ouais, je l'ai fait. Loki a claqué l'ultimate, il s'est raté. Comme moi tout à l'heure, j'ai préféré claquer l'ultimate en défensif. De toute façon, j'ai un CD assez court sur l'ultimate. Puisque comme on l'a dit... Non, je vais pas faire ça. On va faire le crève-cœur, tant pis. On va faire l'itémisation comme ça. Que tout le monde connaîtra. L'itémisation parfaite d'un Loki. Qu'on verrait à niveau pro. Parce que parfois, quand je fais une itémisation qui est pas vue à niveau pro, je me fais... Iker, non mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Donc, 3, 2, 6... On est sur 9 des 16 kills de l'équipe, c'est sacrément dégueulasse, mais bon, l'équipe gagne. Hein. Comme je le disais, ils ont une composition qui est quand même pas extraordinaire dans l'équipe en face. Ils ont que des persos qui font mal, donc c'est assez compliqué à jouer. On fait mal quand même, mais on n'aura pas de quoi le tuer. Ah si, peut-être, voilà. Je sais pas comment il est réapparu, pourquoi il a réapparu, mais il a réapparu et il est mort. Ah là, par contre, Artemis... Voilà, c'est le kill. Il y a la Nox derrière qui a mis un triple ultimate. Hein.
On met l'ulti parce que j'arrivais pas à auto-attaque. C'est pas grave. On se fait ulti par Aokong. Ça nous permet d'éviter de prendre trop cher. On prend un triple kill. Triple kill, c'est pas mal. Donc voilà, en sneaky, c'est quand même pas très très compliqué à jouer. En fait, vous êtes une... je comprends pourquoi les gens... Enfin... considère que Loki est un peu une pute parce que c'est un perso qui peut avoir des bonnes stats dans une game qui est complètement ruinée, tout simplement parce qu'il va se mettre en difficulté que quand lui il le décide. C'est la force de Loki, c'est la force des persos invisibles, ça l'a toujours été, et c'est ce côté là qui est très compliqué à équilibrer dans un jeu où tous les autres persos ont quasiment pas d'invisibilité dans le jeu, hein, puisque les deux persos qui peuvent se rendre invisibles sont Loki et Aokong, avec également la mécanique de fog de Nuwa, mais bon, ça c'est quand même pas une invisibilité extraordinaire. Donc voilà, c'est très très dur à équilibrer, et je pense que Loki sérieusement n'est pas un dieu équilibré. C'est un perso qui fait très très mal contre les débutants, et même à niveau pro parfois on voit certaines équipes qui n'arrivent pas à le gérer. Le speed push Loki qui est vraiment infâme, et là le kick a été pris par ZF0. J'avais beau auto attaque, je savais que le il y avait de grandes chances que le Loki meure de la chute du portail de Janus. En gros, Loki est un perso individualiste dans un gameplay de teamplay. C'est un des rares, hein, dans le jeu, hein. C'est vraiment un des rares. Il y en a d'autres, bien évidemment. Mais par exemple, ouais, Aokong, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire qu'un Aokong peut être très bien dans sa game, mais ne pas être capable de carry la game. J'ai déjà vu un Aokong avec 10-2 et tout le reste de son équipe était à 1-7, 1-8 parce qu'en fait il débarquait au moment pour prendre les kills. Puisqu'en fait le but des assassins comme Loki Aokong c'est de prendre des kills tout en évitant de mourir, vous n'allez pas forcément aller dans le fight pour protéger vos coéquipiers. Donc forcément vous allez prendre des kills mais pas forcément faire la game. Donc c'est l'une des choses qu'on pourrait reprocher aux assassins comme Loki et Aokong. Et à Aokong. Après c'est un style de jeu. Ça marche à bas niveau, ça marche même à haut niveau, mais quand on le joue dans une optique de speed push. La stratégie, on focus le Loki adverse. Comme ça si on focus le premier, on ne se fera rarement tuer. Et là on prend pas le kill, mais on était pas loin. Là on commence à faire mal, hein. C'est dingue les dégâts quand même. Avec le strike, le troisième sort, I aim strike, je sais pas comment ça se prononce en anglais ce nom de troisième sort de Loki. Mais ça fait extrêmement mal, en plus il y a Behind You, hein, qui vous frappez dans le dos et vous faites plus mal. On va essayer d'aller chercher des kills là. Voilà, sur le Loki, on se prend l'ulti Kukulkan. Il va tout nous mettre sur la tronche. Ah là on est obligé d'ultimate. Parce qu'il y avait la Nox qui était pas loin et qui allait s'amuser à me lancer. C'était soit le Aokong, soit le Nox, soit le Kukulkan, pardon, soit la Nox qui me tuait. On va partir en cinquième objet sur le condamneur. La lamentation de l'hydre est plus souvent vue en cinquième objet. Moi j'aime bien le crit, donc j'en prends un peu. La lamentation qui est généralement le cinquième choix et le condamneur le sixième si vous voulez des dégâts. En sixième vous pouvez prendre une bénédiction des mages, mais là il n'y a que des persos fragiles en face. On peut peut-être tenter de faire beaucoup de kills. Ah, on s'est fait choper par le sanglier d'Artemis, le teammate de Loki. Il fait pas très mal, hein. Il fait pas très mal ce Loki pour le moment. Parce qu'il n'a pas été capable de me tuer en un ultimate, sachant que Loki est un perso qui fait extrêmement mal. Normalement, il aurait pu me tuer. On va essayer de casser ça. Ah, je me suis pris du Tinox. On va y aller sur le Aokong. Ah, c'est l'ultinox qui s'est arrêté. Donc on va ulti, hop, on prend un kill. On en prend un deuxième. On va aller sur Kukulkan. Le portail, là je peux peut-être prendre un troisième kill. Troisième kill. Oh là, faut que je fasse gaffe. J'ai pas d'invisibilité avant une seconde. On va y aller. L'Artemis. Quadra kill. Et le Loki, le Loki. Pentakill, Pentakill avec Loki. Qui a dit que ce perso était difficile à jouer? Qui a dit que ce perso était compliqué à jouer? Je le dis et je le répète, Loki c'est
No brain, et c'est beaucoup trop fort. Beaucoup, beaucoup trop fort. N'importe quoi, j'aurais jamais fait ça avec un Thor, une serquette. Même avec Kali, c'est plus dur à faire un pintage, je trouve. Quoique, Kali, c'est peut-être un peu pareil, mais Kali, c'est un peu moins. Oui, c'est. Je crois que c'est mon premier pentakill. Donc en un an de smite, c'est mon premier pentakill. Je pense que si je jouais Loki, j'en aurais fait plus. Hein. Parce que c'est pas compliqué. J'ai même fait un sextuplé. J'ai tué 7 persos d'affilée. Et j'ai 16 de 15 en stats. Oh, je vais pratiquement battre mon record. Mon corps qui est 21 kills. Ah non, dommage. Sylvanus qui prend un kill à l'auto-attaque. Là, c'est ce qu'on appelle KS, la part de Sylvanus. Parce que j'ai fait 80% des PV. Et il fait une petite auto et il prend le kill. Mais c'est pas grave. On n'arrivera pas aux 21 kills parce que la game est pas assez serrée en fait. Dommage. Parce que la game aurait duré 5 minutes de plus. Je pense que j'aurais battu mon record qui est de 21 kills en arène. Avec Vulcan. Eh, on allait encore aller chercher un 17ème kill. Donc voilà, une arène plutôt sympatoche avec Loki. On a fait quand même un patakill, je suis content. Mais c'est vrai que c'était compliqué. À chaque fois, il faut se remettre un petit peu dans... C'est comme avec Ulr, où j'ai du mal dans les premières minutes à me réhabituer un peu au perso. Surtout avec Ultimate Assassinate, j'ai du mal à voir le curseur. Je sais pas, c'est le seul curseur que je vois mal en fait. Et j'arrive pas bien à viser avec cet Ultimate. Simplement parce que c'est un dieu que je joue quasiment jamais. Donc maîtrise rang 1, ça y est, avec Loki, on pourra peut-être le jouer en ligue. Après, il faudra peut-être s'entraîner sur la réussite du 3 parce que je me suis pas mal fail. Mais voilà. Donc une game intéressante avec Loki, on fait son premier pentakill et une nouvelle fois personne ne prend d'actif. Même moi, cette fois-ci j'en ai quasiment pas pris, donc shame on me. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook, donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.